Voilà, ils sont où maintenant les gens qui critiquaient Randall, hein? Vous êtes où maintenant, bande de bouffons? Ouais, mais calme-toi, c'est pas un but tous les 6 matchs qui va changer la donne, toi aussi. N'importe quoi, celui-là. Ouais, mais pourquoi les gens, ils préfèrent Ramos à Colo? C'est n'importe quoi! Pour moi, perso, Ramos, c'est pas ouf du tout. Ok, c'était Lewandowski à Benfica, mais à Paname, il est éclaté au sol. Eh, mais c'est vrai que Randall, c'était Haaland à Francfort, hein. C'est vrai ou pas? Mort de rire, le mec, il fait un bon match tous les 8 mois et vous croyez qu'il va rester comme ça? Allez, va là-bas. Et sachant que c'était seulement le Chili en face. Hein. Quoi? Randall, il était pas fort à Francfort? Mais je t'avais dit, c'est un footix, il connaît rien du tout au ballon, la huisse. Qu'est-ce que j'ai à foutre de Francfort? Ton Kolo Muani, c'est une saucisse à Paris. Ouais, elle a raison, calmez-vous, même ma grand-mère, elle l'aurait mis celui-là. Mais allez, c'est bon, t'es perdu, toi. Ça se voit trop, il a jamais joué au foot de sa vie, lui, pour parler comme ça. Allez, mort de rire, tu veux qu'on lui fasse une statue à l'entrée du parc pour son but? T'as vu ce qu'il fait, Kolo, depuis son arrivée au club? Catastrophique, c'est niveau footballeur du dimanche entre Daron. Allez, va là-bas, t'as dit. Mais ferme ta gueule, gros footix, va. Arrête, tu me fais peur, King Kong. Comment j'en veux de lui casser les dents à celui-là? Hey, fais doucement, Godzilla. Ah ouais, en parlant de ça, t'as King Kong qui va encore se péter contre Godzilla, ça sort la semaine prochaine au cinéma. Je crois que je vais aller le théma, hein. Bref, moi, tout qu'est-ce que je sais, c'est que Ramos, il est grave plus fort que votre Florent Panini, là. Mais arrête de dire de la merde, toi aussi. Ah ouais, ça fait grave longtemps que je suis pas allé au cinéma, moi. Puis ferme ta gueule, toi aussi. Pourquoi tu nous racontes ta vie? Bah ouais, y a pas photo. Ramos, il est resté 20 jours à l'hosto, il a perdu 8 kilos. Le mec, il revient, il enchaîne les buts sur des bouts de match. C'est chaud quand même. Eh, de toute façon, c'est simple. Randall, c'est l'homme du match, donc fermez tous vos gueules. Mais allez, remballe avec ton Randall. Il est trop nul, on t'a dit. Il a fait quoi à part son but, hein? Il a raté tout ce qu'il a fait, comme d'habitude. Et encore, son but, c'est une offrande d'Hernandez. Et justement, les gars, ça serait pas trop bien de recruter Théo Hernandez pour la saison prochaine, sérieusement? Ah ouais, puis des pop-corn au caramel aussi, ça fait grave longtemps que j'en ai pas mangé. Mais ferme-la, c'est pas la peine, Nuno Mendes, il fait déjà largement l'affaire, espèce de footix. Ouais, mais s'il se blesse, Luis Enrique veut 2 joueurs par poste. Alors, c'est qui le footix maintenant? Mais c'est une sardine ou il fait exprès? Et Lucas Hernandez, il fait du badminton, espèce d'enfant de footix! Ah ouais, mais non! C'est les popcorn baffes, les meilleurs popcorn! J'avais oublié, comment c'est trop bon! Hey, mais toi, sérieusement, si tu la fermes pas, c'est moi, je vais te mettre une baffe dans ta gueule! Ouais, mais apaise ton cœur, mon frère! Hé, hey, King Kong, ouvre tes oreilles, je vais t'expliquer! Lucho, il garde Lucas Hernandez en centrale pour avoir des pistons offensifs comme Nuno Mendes et Hakimi à droite. Et puis Théo Hernandez, c'est le meilleur à gauche. C'est son frère qui le dit. Bref, en tout cas, bien joué, Randall! Ce soir, on a bien vu que t'avais la dalle et tu leur as montré à tous t'étais qui. Ouais, ouais, Randall, il faut nous mettre le même but le week-end prochain à Sardineland, hein. Mais ils étaient déjà à Sardineland ce soir, espèce de footix, va. Ah ouais, c'est vrai, merde. Vous avez même pas capté que ce match contre le Chili, c'était qu'un entraînement pour le week-end prochain, bande d'idiots. Ouais, on est prêt pour dimanche et en plus, y a pas de blessé. Si, si, les gars, y a eu un blessé. L'autre bolos de Jonathan Clauss qui est sorti en boitant sur une nageoire. Ah ouais, chah pour les sardines. Ça leur apprendra à jouer avec des nageoires. Ha ha ha. Mais sinon, c'est moi ou Kiki, il était éclaté pendant la trêve? Mais non, t'inquiète, il s'est préservé pour les mélanger dimanche, t'as capté ou t'as capté? Bah ouais les gars, dimanche, même heure, même endroit. Bah ouais les gars, ce match c'est le déclic pour Colo. Vous allez voir, en avril on va avoir un Colo Prime. Vous verrez, retiendez bien qu'est-ce que je viens de dire. Wouah, comment elle a retourné sa veste la huisse. Eh, ton Colo Prime ça va durer 2 matchs, pas plus. Eh Colo, bien joué pour ce soir, mais faut rendre l'argent quand même, hein. Mais vas-y toi, tu fatigues, on peut l'encourager un petit peu quand même, non? Et puis moi, de toute façon, je l'ai toujours dit depuis le début, Colo, il doit jouer sur le déco à droite, pas en neuf. Mais tu connais quoi au ballon, toi? Et Dembélé, tu le mets dans la cuvette des chiottes, c'est ça? Mais ferme ta gueule, j'ai jamais parlé de remplacer Dembélé, on parle de Kolo Muani, là. Et puis de toute façon, c'était une connerie d'acheter les deux en même temps. En tout cas, Colo, si t'es en forme, eh ben t'as choisi le bon moment, poteau.